Et nous sommes de retour. Donc nous sommes de retour chez les elfes. Alfheim, on a des nouveautés et des anciennetés aussi. C'est parti. Donc ça a surtout du secondaire dans cet épisode. Oh! Garde a dû ouvrir une autre brèche de royaume. Cool. Laisse ça. Dis-toi. Ok, pas cool. Oh mon dieu, pas cool. Il est niveau. Ah non mais. Alors attends, par contre, j'ai quoi comme rage? On va prendre plus. Je crois que s'il me touche, je meurs. On y est presque. Attention à gauche. Oh, d'accord. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Derrière toi, mon frère. Mon dieu, quoi. Oh, la vache. Essence de L. Bon, bien joué. Bien joué. Étincelle de glace. Une flamme de glace, ok. Eh ben. Bah ça commence fort. Putain. Brèche de L. Ça commence fort. Donc on va retourner au temple. On va faire ça. Par où on passe du coup? J'suis pas vraiment en train de me montrer le bon chemin. On a un coffre en fait à trouver, donc on va aller voir. Ça fait un peu peur, hein, niveau... Bah, niveau, en fait. Le niveau des ennemis. Encore eux qui... Armes légendaires. As-tu une préférence, père ? Non. Ce sont des outils aux usages spécifiques. Une préférence n'aurait aucun sens. Moi, j'aime bien la hache. Moi aussi, j'aime la hache. Attends, qu'est-ce que tu vises, là ? Mais ils sont morts. T'es bizarre, Atreus. Bah non, mais du coup, on peut pas y retourner. Bah je sais pas. C'est peut-être pas là, hein. C'est peut-être un autre chemin. Bon, bah si on a des brèches comme ça... à fermer à foison avec des trucs niveau 7 et tout. Bon après il nous a pas one shot. Il nous a pas one shot. Donc c'est déjà ça. Bon, je suis perdu.
Ah, c'est par là. Ok. Donc, on est à la recherche d'un coffre. Il y a quoi là ? Si jamais ça prend trop de temps. Besoin de nouvelles choses. Que s'est-il passé ? Elles sont trempées. Elles sécheront. C'est marrant, j'étais certain que tu dirais ça. Alors pourquoi en parler ? Ça m'étonnerait beaucoup. Elles sécheront. Ouais, comme si elles allaient sécher. Qu'est-ce que je vais dire ? Oui. Si jamais ça dure trop longtemps de trouver les. Ce qui manque, genre les coffres et tout ça. Je couperai. Je couperai, mais je voudrais bien trouver les choses rapidement. En fait. Genre qu'on fasse une bonne. Un bon épisode secondaire en fait. Après le problème, comme je dis toujours, hein, le fait de revenir sur nos pas, c'est qu'il y a rarement des ennemis. À moins qu'il y ait des événements supplémentaires, genre comme là par exemple la brèche. Mais ouais, la plupart du temps, il n'y a pas grand chose. Du coup. Attends. Du coup, tu me fais aller. Non, ça c'est où il y avait la brèche. Ah, la boussole me perd en fait. On peut pas revenir au temple ? Il n'y a pas de pierre pour nous téléporter en fait. Eh ben merde alors. Par là. Oh, on va suivre la boussole. On va voir ce qu'elle. Pendant qu'Odin me faisait visiter Asgard, ses corbeaux nous ont emmenés à Svartalfheim. Si on est bon. Durlin. Bizarrement, il essayait de faire son travail. On a fait semblant de ne pas se connaître. Je crois qu'il faisait semblant. En tout cas, Odin n'est apparemment pas au courant que Durlin nous a aidés à trouver. Ah! Oh! Derrière toi! Prends garde! Quoi? Mon frère, ce petit salopion va exploser! Ok. Après, ce qui m'embête d'avoir Kourou, en fait, c'est. C'est un poème de Kvasir? Il ne m'évoque rien. Sans déconner, le logo sur le livre, on dirait celui de Death Stranding, genre l'Amérique là, qui est couvert par une sorte de toile d'araignée. Bâton corde, goudron noir, trace de main, bébé pleure, douche, odeur, mort, rivage, larve, des bombes. Si, c'est ça ? Mais complètement ? C'est un. Oh là là. Il est où mon téléphone ? Faut que je prenne un screenshot. C'est complètement un clin d'œil à Death Stranding, ça. Si, si, c'est ça. C'est 100%. 100%. Mort échoué. Les échoués, c'est ça. Les BT, là, les bitch things. Les échoués, c'est ça. bâton, corde. Il y a des cordes, des bâtons, goudron noir, donc ça c'est les routes.
traces de main, donc les traces de main des échoués. Le bébé qui pleure, c'est ça. La douche, odeur, ça c'est ça aussi. C'est quand il prend la douche, Sam et tout. Mort, rivage, le rivage, là, tout ça. Les larves, c'est les trucs qu'on mange. Je sais plus comment ça s'appelle. Délices. Bombe, pisse. Et oui, on a des grenades à base de pisse. Oui. Ça tue. Une création brillante de Xavier qui met à l'épreuve l'intelligence du lecteur. C'est énorme. Donc j'étais en train de dire... Ça, c'est ce qui m'a sauté aux yeux en plus, le truc de... Le logo, là. J'étais en train de dire... On peut pas vraiment se soigner, en fait, quand on a cette... cette rage-là. Donc ça m'embête de l'avoir, en fait. Je préfère avoir la fureur. Donc... Le tranchant de Skaoi. Lancer de hache qui ricoche sur les cibles verrouillées en martelant R1. Augmente le nombre maximum de cibles verrouillées. Ajoute une explosion à chaque coup. Et après augmente davantage. Dans la durée de vie, augmente les dégâts de chien. Ouais, bof. Ouais, non. M'intéresse pas. Honnêtement, ce qu'on a, c'est top. Quoi. Du coup, coffre des Nornes. Il en reste un. Donc attends, nous on allait de ce côté-là. Atreus, moi aussi j'ai revu Durlin. Quand nous avons forgé la lance, Odin est apparu. Il tenait Durlin et le menaçait, comme s'il savait que je le connaissais. Mais si Odin était au courant, alors pendant qu'on faisait semblant de pas se connaître, lui faisait semblant de nous croire. Mmh. Wow, c'est vraiment un bon menteur. Eh ouais, c'est Odin. Un coffre des Nornes, ça m'étonnerait que je l'ai complètement zappé. Je suis assez étonné. Peut-être qu'on y a accès avec la lance. Les Nornes, c'est... Ben voilà. Bah oui, maintenant je comprends pourquoi, ouais. Oh. Il y a une pierre ici, quoi. Bon, bah, je comprends pourquoi. Alors, 1. 2. Tu veux pas m'aider Non, c'est bon. Bon, bah, parfait. Bah, du coup, ouais, ça va très vite. Je pense que dans God of War, ce qui manquait, c'était des builds, en fait. Parce que vous pouviez... En fait, les armures, plus elles étaient bien, bah, vous les mettiez et puis basta, quoi. Là, on peut quand même faire des choses intéressantes. On peut faire des choses intéressantes. Donc, on a fini ça. Non, on n'a pas fini ça. Non. On a fait le Strond. Mais il y a quand même un coffre légendaire qui manque dans le temple. On y retourne. Alors, faut bien que je trouve quelque chose à dire. Hein. Donc ouais, là j'aime bien notre... ce qu'on a fait là. Avec les esquives qui vont plus loin. Choses comme ça. Elle fait un peu peur cette... cette statue.
Donc un coffre légendaire. Coffre légendaire, c'est quand même voyant. Hein. Quand même super voyant. Hein. C'est tout en or et tout ça. Donc bon. Assez impressionnant que je l'ai loupé. J'aime bien ce temple. Il est joli. J'aimais bien combattre. J'aimais bien combattre dans ce temps. Attends, on va passer par là. Là, il y a quoi ? Rien du tout. Je vois rien. Non, je vois rien. On continue. Il est ouvert. C'est pas celui-là. C'est ça les coffres légendaires, donc bon. Honnêtement, louper ça, c'est gros quoi. C'est quand même gros. Merde, on vient de là. Je sais pas ce qu'ils auraient pu faire pour que ça soit un peu moins contraignant en fait. De revenir sur nos pas et tout ça. Quoi ce noir ? Non, là y'a rien. Lumière. Atreus, t'as pas une idée. T'as pas une idée de ce qu'on cherche. Enfin, non, si, de ce qu'on cherche, on sait, mais. D'où ça peut être. Ouais, si jamais on rencontre des ennemis, ça veut dire qu'il y a de la nouveauté. Ok, ça c'est un autre coffre légendaire. On va arriver jusqu'au nain. Hein.
truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de détour à faire. Donc, putain, il est là. Ok. Attends. Là-haut. Là, on est d'accord que... Quoique... Je peux aller là... Là, c'était aussi simple... Non, c'est pas aussi simple. Attends. Voilà. Moi, je vais aller là... Là... Ah, le cristal il est là. Ok, maintenant. Ok, par là. Yes, on est bon. Accessoire, simple bubble, symbole de renaissance. Alors. Alors, la première pièce runique d'un carquois plein inflige plus de dégâts. Ouais, bof. Ouais. Ah, j'ai envie de dire, c'est pas pour le contenu, hein. C'est surtout pour compléter. C'est vraiment pas pour le contenu. Hein. Bon, moi je vais avancer et on va faire le reste de ce qui me manque ici. À tout de suite. À ton service. Ok, on est à la forge et on a des nouvelles choses. Par contre, il me faut de l'argent. Je vais te débarrasser de ça et le laver. Et c'est couvert de sang. Merci. Ravi de t'en soulager. Ok, il faut beaucoup d'argent, donc on va pas exagérer non plus. Mais on a pas mal de trucs. Alors déjà, on a le bouclier, tout simplement. Je crois que c'est la chose le plus important à faire. Ça devrait faire mal. Donc, nickel. Après, là, il faut des cendres divines pour le rond d'absorption. C'est un peu bête parce qu'on va être bloqué au niveau 6 pendant un petit moment, je pense. À cause de ça. Après, on a ça qu'on peut augmenter. Mais je crois que je veux plutôt augmenter celui-là. Je pense. Après, ça, pour le moment, on peut pas. La lance, c'est défense, vitalité, chance, pas mal aussi, c'est 2. Ah, je pense qu'on va augmenter ça pour le moment. Voilà. Ah, on est passé niveau 6, ça y est. Je sais pas exactement ce que ça fait, mais... la lance Dropnir, est-ce qu'on on augmente ça ou pas du coup? Ah, ça fait des bonnes stats. Hein. Ok, nickel. Tout ce que tu voudras, quand tu voudras.
Oui, je sais pas exactement en fait, le niveau général, si c'est juste une indication de la puissance et puis basta quoi. Après on a... Donc là il faut des lingots d'Asgardien. Et là il faut... Bah pareil mais... C'est de l'argent qui manque. Je sais pas trop si on va garder en fait ça, donc du coup est-ce qu'on les augmente ou pas, c'est ça la question. Après je me dis que bon, on peut pas lancer un niveau. Oui, ça servira toujours. Mais où t'as trouvé ça? Par contre c'est l'argent, ça descend extrêmement vite. Donc là c'est quoi? C'est 10 000 et là c'est 10 000 aussi. Oh putain, c'est 10 000 quoi. Ça c'est un peu embêtant en fait. On peut augmenter celui-là. Parfait. Après, il nous faut plus d'argent, mais... Je créerai tout ce que tu voudras. Je pense que ça suffit pour le moment. Sinon je vais tout vendre, je vais plus avoir d'argent du tout. Puis ça va être juste des détails. Alors là il nous faut une pierre tombale. Bah une pierre tombale c'est tout. On peut aller la voir. Je me rappelle pas si on peut la faire ou pas. Enfin peut-être qu'on peut la faire maintenant, on va voir. Je ne sais pas comment te dire ça, mais Odin m'a raconté des histoires. Comme celle de son œil perdu. Les détails différaient de ce que tu m'as raconté. C'est toi que je crois, bien sûr, mais... Je ne vois pas pourquoi il aurait menti sur ces choses-là. Il faut savoir une chose sur les menteurs, petit. Ils mentent. Ils le font par principe. Il n'y a rien de trop infime ou trop grand. Ils mentent autant qu'on voudra bien les croire, et parfois au-delà, rien que pour prouver leur emprise sur la réalité. Tu dois toujours garder cela en tête. C'est pas faux. Ok. Donc, je vais être honnête, je me rappelle plus. Ah, c'est peut-être celui-là où il y a deux boss, j'en sais rien, un truc comme ça. Donc, on va voir. Sans déconner. Qu'est-ce qu'on fait? On se concentre sur le boss. Ils sont de notre niveau. Ah, vite fait quoi. Ils sont trois quoi. On n'a pas l'air de faire très mal par contre. Pas l'air de faire très très mal. Je sais pas trop quoi en penser. Pourquoi il vient de me toucher là? Putain, sale pute.
con ce que je viens de faire. Je peux peut-être la faire, je pense. Je pense que ça passe. Ça va peut-être me prendre quelques essais. Mais honnêtement, je pense que ça passe. Je lui fais assez de dégâts et tout ça. Oh!
Sur ta gauche. Ces esprits. C'est un symbole de leur trahison. Leur vache. Plus vite on s'en débarrasse, mieux c'est. Si j'ai pu faire la paix avec mes lames. Tu n'as pas tort. Si Skofnung nous débarrasse de ses chiens, je devrais pouvoir supporter sa présence. Oh la vache. Ah, tu m'étonnes que c'est du niveau 7 qu'on récupère. Tu m'étonnes que c'est du niveau 7. Ouais. Ne le faites pas à mon niveau. Ne le faites pas au niveau 5. 6. On est quoi? On est 6. Ne le faites pas au niveau 6. En God of War, en tout cas. J'ai dû passer 4 heures, je crois. 4 heures, 5 heures peut-être dessus.
Ouais, je suis têtu de temps en temps, et honnêtement, c'est une mauvaise chose. J'ai dû passer 4 heures dessus. Genre, j'ai joué j'étais quoi, on était le soir, je suis passé genre 3 heures dessus. Après, j'ai arrêté, j'avançais, mais après, je commençais à faire que du moins bon, donc j'ai arrêté. Et le lendemain, maintenant, on est le lendemain. Donc, j'ai coupé tout ça, donc on est le lendemain. Et j'ai testé et à peu près 1 heure, là. Donc, ouais, 4 heures en tout, je crois. Alors, l'utilisation d'une relique augmente énormément les dégâts infligés par les attaques au corps à corps de Kratos, mais aussi les dégâts subis pendant un certain temps. Waouh, les stats, il y en a partout. Elle est super belle, cuirasse de Berserker. Qu'est-ce qu'on fait en test? On peut tester. Après, on avait quoi de Berserker? Je me rappelle plus la taille, je crois. Ouais. Invoqué par une chance de générer une expérience spirituelle et faire des dégâts, restaurer une partie des renouvellements de la relique. Ouais, en gros, c'est de spammer les reliques, quoi. Et après, on a eu donc un truc en plus. Donc, Asgard. Toutes les attaques passées de vos armes basiques, basées sur le renouvellement. Vos armes triangle. Okay. On peut tester pour le fun. Fais voir le renouvellement, il a combien maintenant? Il est à 44 secondes. Mais ouais, alors il y a deux écoles. En fait, il y a le boss principal. Et après, il y a les deux sœurs. Les deux sœurs, la vie est liée en fait aux deux. Donc vous faites des dégâts à l'une, l'autre le prend aussi. Donc c'est la même vie. En gros, il y a deux vies, mais c'est pareil. Alors, si vous tuez la principale, en fait, vous tank complètement. Vous semez sur. Elle est méga jolie, l'armure. Elle se met sur vous en fait, elle vous suit, ça bouge et tout quoi, le vert là. Ouais, super belle. Elle vous suit constamment, à vous foncer dessus constamment. On a fini, on va aller là de ce côté. Donc ça vous suit constamment. Elle est pas extrêmement. Honnêtement, solo, elle est pas extrêmement dure. On a vu que je la combattais super facilement et tout ça. J'ai utilisé ma pierre de Berserker. Non, j'ai pas utilisé. Je suis allé acheter une pierre de Berserker aussi. Mais je l'ai pas utilisée. J'ai aussi augmenté Atreus. J'ai augmenté l'invocation runique. Elle était pas au max. Donc j'ai augmenté ça. Et donc je suis allé donc aussi acheter une pierre de Berserker au cas où. Que dire d'autre? Donc ouais, elle vous suit constamment. Et il y a une des sœurs qui est sur Atreus à 100%. En fait, elle switch entre les deux. Et des fois, elles aident en fait, la principale. Des fois, elles vont faire des sorts de feu ou de glace et tout ça. Il faut éviter pendant que l'autre vous fonce dessus tout le temps. Alors, ou vous tuez les sœurs en premier. Et je pense qu'après, bah, il reste plus que le boss principal et elle doit peut-être pas changer. Par contre, si vous tuez le boss principal, il y en a une qui s'énerve. Après, il y en a une qui reste sur Atreus et l'autre vient sur vous. Et des fois, elle switch entre les deux. Elle se téléporte en fait. Elle se relaie. Donc, ouais. Ou vous tuez les sœurs en premier, ou vous tuez le boss principal en premier, j'imagine. Mais, ouais. Et c'est pour ça aussi que j'utilisais les lames, là. L'explosion des lames. La grosse rune. Parce que ça fait une explosion de 1 et après ça fait des petits mortiers, ça fait extrêmement mal. Et du coup, j'essayais de le diriger en fait sur les sœurs. Comme ça touche les deux en même temps. Donc ça fait encore plus de dégâts parce que c'est la même vie, encore une fois. Enfin, elle partage la vie. Donc j'ai essayé de faire ça. Pareil pour les AO de la hache. Genre le froid au sol et tout ça. Donc j'essayais vraiment de se placer. Honnêtement, il y a énormément de choses à faire en même temps. Pendant ce combat, il faut faire attention au boss principal qui elle charge, elle fait des attaques jaunes et au rouge. Il faut faire attention aux sœurs qui vous pilonnent de temps en temps. Il faut essayer de faire des dégâts aux deux, voire aux trois, même si on peut, en même temps. Comme ça vous aide en fait. Parce que du coup, une fois que vous avez tué le boss principal, vous pouvez combattre les autres, mais elles sont pas full vie. Donc ça aide énormément. Donc, ouais, il y a pas mal de trucs. Pas mal de trucs à prendre en compte. Donc, carte. Alors, je sais que. Je crois que c'est là. On va aller là d'abord. Je crois qu'il y a un géant. On l'a combattu là. Enfin, hier pour moi, mais. On a combattu un comme ça. Je crois. Oh! Mais on n'est jamais venu là.
On est peut-être jamais venu là. Oh non, on n'est pas venu. D'autres fleurs. On n'est pas venu là. Une aube pruine, peut-être. Ok. Donc ouais, le combat, c'est de la dextérité. Hein. C'est extrêmement de la dextérité pour tout apprendre et tout ça. Bon, par contre, l'armure, donc. Une relique manque énormément de dégâts infligés par les attaques au corps à corps de Kratos. Alors quand ils disent corps à corps, c'est main nue ou pas? Non, hein, parce que quand ils disent, quand c'est spécialement main nue, ils le disent. Genre par exemple là, ils disent les attaques à main nue. Donc corps à corps, c'est juste avec les armes en fait. Donc ouais, ça peut être pas mal, mais aussi les dégâts subis pendant un certain temps. Ça, ça m'embête, ça, ça fait un peu peur. Mais j'avoue que les reliques, c'est cool. Alors attends, parce que j'ai vu un corbeau juste là. Parfait. Ah. Je doute que cette relique puisse le réveiller. J'aurais pas dû faire ça. Guerrier sans âme. Ok, fais voir. Est-ce qu'on peut pas. C'est, ça, c'est bête qu'on puisse pas voir de stats. Il y a un jeu qui fait ça très bien, c'est Immortal Phoenix Rising. Où quand vous avez des buffs comme ça qui s'activent. Vous avez les stats aussi qui bougent. Là, dans God of War, non. Il faut même, quand on change d'équipement, il faut même genre sortir et re-rentrer dans le menu. Hein. On l'a vu, ça. Pour que ça s'affiche. Donc ça, c'est embêtant. J'aurais bien voulu voir, en fait, genre de combien de pourcents. Parce qu'on n'a pas de pourcentage. Ça, c'est con, ça. On a zéro pourcentage. Oh. Encore une bête endormie. L'œuvre d'Alvis Pied de Roc. Cela parle de réveiller les trolls avec la relique. Ça, nous l'avions déjà deviné. Ah oui, 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 on en avait parlé déjà de ça. Ouais, emprisonnement supervisé par Alvis Pied de Roc. Ouais, sympa, sympa. J'attends que ma relique se recharge. Donc ouais, c'est pas mal. J'ai aussi augmenté un peu Atreus, genre j'ai 4 flèches maintenant au lieu de 3. Je crois que j'ai fait que ça qui a changé. Ouais, on va tester cette armure. Elle m'intéresse cette armure. Parce que bah déjà je la trouve super jolie, je voudrais bien pouvoir la garder. Mais ouais, augmenter les dégâts au corps à corps quand on fait des runes. Parce que les runes je les spam moi, j'adore les runes en fait. J'adore spammer les runes. Donc, et ça fait quoi le taille? Expérience sur les dégâts, restant une partie en interrelique. Subir des dégâts, bloqués ou parés. Ça, je sais pas si c'est vraiment ça m'intéresse en fait. Mais je peux pas mettre ça. Par contre, on a du renouvellement au max. Là on peut faire avec ça. Du coup, on peut mettre. Critique, non, c'est où les pierres? Voilà, là on peut remettre pierre et faire ça. On peut voir ce que ça donne. On va faire, il faut, on va se faire défoncer hein, par le machin parce que eux aussi ils sont au niveau quand ils se réveillent des fois. Enfin, certains sont au niveau. Où les dégâts? C'est quoi ça? Ok. Par contre, ça s'active pas tout le temps.
Ok. Un travail d'expert, comme toujours. Bon, bah ça va. Ça s'est bien passé. Ah, je commence à vraiment, vraiment aimer la lance. Hein. Genre, j'adore la lance maintenant, ça y est. C'est pour ça qu'il faut quand même plusieurs heures d'entraînement et tout ça quand on ajoute des choses. Mais ouais, je commence à vraiment, vraiment, vraiment kiffer la lance. Le fait que ça soit aussi rapide et tout ça. Et au final, ça va. C'est vrai que ça va très bien avec, Kratos, que c'est un Spartan. Enfin, un Spartiate. Donc ouais, je commence à vraiment kiffer la lance. Alors, nouvelle amulette. Par contre, faut qu'on voit l'armure. Elle n'a pas l'air de bien fonctionner, en fait. Elle a l'air de marcher une fois sur quatre. Un peu étrange. Alors, utilisez des pierres de guérison de rage confèrent vol d'âme qui restaure un peu de santé et de rage quand vous frappez des ennemis. Ouh, ça peut être vachement bien pour nous. Si on met l'armure, les deux parties qui permettent d'avoir des pierres... Oh, on peut avoir un nouveau build là. Par contre, je crois pas qu'on puisse changer l'armure. Ouais, on peut pas changer parce que ça. Ouais, on est obligé de garder ça. Relique augmente énormément les dégâts infligés par les attaques au corps à corps grâce à ce mot aussi des dégâts subis. Je sais pas, ça a pas l'air de fonctionner. Ah, un truc qu'on peut faire aussi. Enfin, ça a pas l'air de fonctionner tout le temps. Est-ce qu'on pourrait. Mélanger Kourou avec ça du coup. Ouais non, il s'active pas. Hein. Bizarre. Accès de rage, guerrier sans âme. Là ça marche. Est-ce qu'on peut mettre Kourou maintenant? On va faire beaucoup plus de dégâts en théorie, c'est ça? Donc ça peut être intéressant. Bah, par contre... Attends. Moi je mets. J'ai d'une relique. Ah, c'est la relique. Oh, j'ai rien dit, C'est moi qui ai mal lu. Ah. Ah, donc c'est pas aussi dangereux que ce que je pensais. Parce que je me suis dit, bon, à chaque fois qu'on utilise genre des runes, c'est en fait c'est le relique et runes, c'est ça que j'ai inversé. Si on utilise plein de runes et tout ça et qu'on est toujours en décuplé, mais on prend toujours, genre, je sais pas, deux fois plus de dégâts. Là, honnêtement, c'est un peu la mort, quoi. Hein? Une gravure. On dirait qu'Yari et Summer sont aussi venus ici. C'est un peu la mort. Mais là, c'est que la relique. Voilà un autre ingrédient, mon frère. Donc, ça peut être intéressant. Ouais, on va garder cette armure. Parle-moi de Yari. Après avoir quitté sa famille, il parcourut les royaumes en quête d'une chose innommable. Mais, malgré tous ses voyages merveilleux, il n'était jamais satisfait. Jusqu'au jour... où il rencontra un autre vagabond cherchant la même chose que lui, l'innommable. Il s'appelait Sommer. Allons chercher le dernier ingrédient. Pas sûr, Cap. Par contre, je suis en train de me demander, là on a perdu un peu de vitalité et tout ça. Ah ouais, il y a une autre... Il y a une autre truc là. On a perdu un peu de vitalité et tout. Genre l'amulette, est-ce qu'on peut avoir autre chose? Genre là, on a les dégâts au corps à corps, j'ai 75% de santé. Alors c'est intéressant. Mais est-ce qu'on peut pas mettre autre chose? Parce que 75% de santé, faut les maintenir quoi. Quand on fait des combats comme ça, c'est chaud. Là, on a quoi? Augmente les dégâts de toutes les attaques et capacités de vos armes triangle. Mais c'est quoi? Ça, je comprends pas vraiment, en fait. Triangle sur, basé sur vos nouveaux... Genre... Genre triangle? Mais y'a rien qui est tri... Je comprends pas. Y'a rien qui est triangle. Je comprends pas.
de vos armes triangle. Bah, quand je fais ça, ça fait ça, quoi. Mais après, le reste, ça fait rien. Ah, ça. Et ça. Ouais, bof. On peut voir ce qu'on peut mettre d'autre. Aider au corps grand fier Kratos contre les ennemis sous l'effet d'un état. Bah, sur la chance. On a beaucoup de chance maintenant. Rune et chance. Défense. C'est étourdissement. Ça, ça m'intéresse. Augmente les dégâts au corps à corps infligés par corps quand il y a le jeu perd. Parce que ça, on commence à bien la gérer. Défense et chance. Désolé, je change un peu les trucs parce que là, on a du choix. Alors, les esquives in extremis, ça m'intéresse pas. Elle a une dégâts au corps infligés par corps parce qu'il est en moins de 50% de santé. Là, on peut voir unique et vitalité. Je sais pas trop quoi mettre, honnêtement. Est-ce que ça, au final, c'est genre vachement puissant? Parce qu'après, c'est vrai que bon, les charges et tout ça, on les fait, quoi. Genre ça, on les fait. Ça, je le fais jamais. Ça peut être intéressant. J'en sais rien, honnêtement. Je vois pas vraiment d'intérêt. Je pense qu'on va reprendre étourdissement. Parce que maintenant, on peut faire un peu ce qu'on veut. Ou alors, les dégâts au corps d'état. Fonction de la défense. Ouais, je veux bien, moi. Force défense, défense, vitalité. En plus, il y a un 12 de vitalité. C'est pas mal. On peut augmenter nos armes et tout ça, on devrait aller voir le nain, honnêtement. On va aller voir le nain. D'abord, désolé, mais... Ah, attends, on peut... Est-ce qu'il est autre part ou pas? Oh putain, non. Bon, ben, on va faire le chemin. Ok, là on a un build intéressant. Si jamais on n'y arrive pas avec ça, que c'est trop dangereux, machin et tout ça, bah du coup on utilise. On réutilise l'armure. Hein. Elle est top, hein. L'armure de rage là. Elle est magnifique, hein, comme j'ai dit. Parce que ça vous fait une super vie. Ça puise dans la rage au lieu de mourir et tout ça. Donc vous pouvez pas. Vous pouvez pas vous tromper à utiliser cette arme, cette armure. Vous pouvez vraiment pas vous tromper. Et ça donne énormément de vitalité et tout ça. Là, on a perdu au moins 40 de vitalité, je crois. C'est bête qu'on puisse pas aller vite. Ah oui, j'ai remarqué ça, là. Ce froid. Je crois que c'est un bug. Je crois que c'est l'effet de la... je sais plus leur nom, là, les trucs qui volent, là. Je crois que c'est un effet qui est resté, en fait. Je pense. Un truc que vous pouvez faire aussi avec la relique, avec cette armure, là, la nouvelle armure qu'on a... Ça serait... augmente les dégâts. Parce qu'on a une relique qui fait ça, tout simplement. Qui augmente les dégâts. Émoussé. Tu permets que j'y jette un œil? Nickel. Une chance que cette hache soit entre tes mains. Ça peut être intéressant. Ça aussi, c'est pas mal. La charge là de permafrost. Je vais désinfecter mes outils. Alors, nous on est aux braises ardentes avec ça.
Là, j'aime bien le fait que ça augmente et toutes les stats en fait. Vraiment intéressant. Puis l'effet est pas mal, hein. L'effet est vraiment pas mal. Ah, ça y est, on peut la créer. Le plastron là. Quand il a subi des dégâts conséquents, les attaques de Kratos restèrent une partie de la santé perdue pendant un instant. Ah, ça c'est intéressant ça. Ok, on va faire le torse. Arborez fièrement. Très joli. Très très joli. M'intéresse ça. Faudra faire des tests. On va faire plein de tests. Je fais chauffer la forge. La prochaine fois. Est-ce que nous on a l'excès de rage? Ça c'est bien, c'est vraiment top. Mais je suis en train de me dire le buff qui augmente les dégâts au corps à corps. Plus ça, ça peut être pas mal. Et peut-être que ça peut être intéressant avec Kourou, comme j'avais dit. Bon, on va essayer la... Oh. On va essayer donc la pierre tombale. Honnêtement, j'ai passé tellement de temps sur l'autre que j'ai pas vraiment envie d'en refaire une parce que je sais que je vais rester longtemps dessus en fait. C'est des combats que je peux faire mais que ça demande... Ça demande... Putain, mais pourquoi on peut pas aller vite ici? Ah, ça demande de refaire plusieurs fois le combat et ça prend du temps des fois. Mais bon, c'est fun, on a des bonnes récompenses. Sûrement un des combats les plus difficiles celui-là. Hein, de... Genre 3 en même temps. Oh, l'autre c'est pas 2. Je crois qu'on en avait vu comme ça. Ah, ils avaient la vie rouge, je crois. Ah, je crois pas qu'on puisse. Hein. C'est celui-là qui nous one-shotait, je crois. Ah, maintenant, peut-être qu'ils sont... Non, mais ils doivent être en bleu. S'ils étaient rouges, maintenant, ils doivent être bleus, en fait. Ils doivent être niveau au moins 8, je pense. Ou 7. On va voir. Je sais pas, on va voir. Si je peux strictement pas survivre... Ça sert à rien. Ouais, c'est parti. Je vais encore pleurer. Ah non, c'est pas pareil. Ah, je me rappelle, donc c'est celui-là qui fait ça. Il faut rester proche de lui, je crois, tout le temps, en fait. Ouais, on va voir. Je crois que... J'ai pas fait attention, je crois que la vie est bonne. Hein. Je crois qu'on peut le combattre. Calcul impatient. Il a les mêmes attaques que l'autre. Ouh, les dégâts. Oh mon dieu.
Oh les dégâts. Oh mon dieu les dégâts qu'on fait avec le guerrier sans âme. Ça doit faire mal, mon frère. Tout va bien? Oh merde, oh putain. Oh les dégâts. Vous avez vu la barre rouge qui partait? Je pense qu'on peut, on peut la faire facilement. Je sais juste que bon, elle tape très fort par contre. J'ai pensé à passer au bouclier en fait de parade, mais honnêtement j'ai du mal. Je trouve que ce jeu a un gros défaut pour le gameplay pur, hein, je parle. Pour le gameplay pur, genre quand on fait plusieurs commandes en même temps, genre par exemple je me mets en rage, je vais mettre pause 2 secondes. Même sauvegarder. Quand je me mets en rage, par exemple, genre l'animation de la rage bloque les contrôles complètement. Genre je peux pas déloquer une personne, je peux pas loquer une personne. Quand je fais un combo et que je suis en rage, genre je peux pas arrêter et enlever mon rage. Il faut genre une pause de 1 ou 2 secondes pour que je puisse enlever la rage. Et honnêtement, ça c'est le plus gros défaut de ce jeu. Et c'est, ça gâche pas, hein, c'est pas, on en est pas à ce point-là, mais... Ça serait vachement bien que, qu'il corrige ça. Et le 1 c'était pareil, c'était la même chose. Merde, c'est con. J'essaye de prendre la pierre. Ah bah oui, bah là. J'étais bloqué dans l'animation de taper R1 là quand j'esquive. Je peux pas l'arrêter ça. J'aurais dû faire le courroux. Par contre le vol de vie ça a l'air un peu nul. J'ai pas vu ma vie bouger en fait. Ah, est-ce que c'est basé sur les dégâts qu'on fait? J'en sais rien. Est-il impassible? Merde! Trop loin, putain. Par contre, j'ai l'impression que elle, il faut vraiment être proche. Bon, si jamais ça prend vraiment trop de temps... Je couperai, mais ça m'étonnerait qu'on prenne. Calcul impassible. Oh!
Rapprocher des As, oui. Un autre de mes fabuleux échecs. En capturant ces esprits, tu cherches la rédemption. Tout ce que je veux, c'est envoyer ces fichus monstres à elle. Rédemption ou pas, une chose est sûre. Je me sentirai mieux quand ce sera fait. Bon, ça m'a coûté la pierre du berserker, parce que j'avais... Honnêtement, j'ai peut-être coupé... J'en sais rien, honnêtement. J'ai fait genre peut-être 2 essais en plus. Mais c'est surtout parce que je voulais pas utiliser la pierre de Berserker. Et j'ai passé tellement de temps sur l'autre, je me suis dit, tiens, allez, c'est pas grave, let's go. C'est pas grave, donc la pierre du Berserker y est passée. Ça fait 5000, hein. C'est 5000, c'est beaucoup. Mais bon, à un moment, on a invoqué les chiens et on a tapé en même temps. La vie elle a fondu quoi. La vie elle a fondu. Les chiens sont très très puissants, j'aime beaucoup. Alors on a une nouvelle poignée. Alors activez le permafrost glacial. Tant que la jauge du permafrost est pleine, déclenche un glissement de royaume. Ah, glissement de royaume, c'est le temps qui ralentit. C'est le temps qui ralentit. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Bon, bah, c'était du bon combat. Putain, je suis fatigué, moi, déjà. Vache. Alors, corbeau d'Odin et coffre des normes. Il reste. Alors, c'est peut-être un lieu qu'on n'a pas visité. Là, c'est où il y avait le troll. Ça, c'était la bibliothèque. On peut faire encore un tour. Bah, j'aime beaucoup l'armure. Aucun l'armure signe de l'archiviste. Oui, ou bien elle se cache à nouveau. Peu importe, nous avons le journal. Son travail est terminé. L'armure est... Non, y a rien de nouveau. L'armure est bien. J'avoue que c'est surtout pour toutes les stats déjà. Toutes les stats, c'est vachement bien. Et après, les dégâts, là, le boost, c'est pas mal. Alors le truc, c'est que... Je pense que ça va bien de pair avec Kuro. Parce que Kuro, on est plus ou moins invincible quand on fait. Donc du coup, on va pas avoir le problème de se prendre des baffes. Donc ouais, je valide cette armure pour le moment. Ah, elle est bien. Sortir. Elle est bien pour le moment, on va la garder. Et ça nous permet d'avoir un peu plus de flexibilité pour les l'amulette aussi. Il y a un truc là. Par contre, je vais peut-être couper pour trouver le dernier corbeau et le coffre.
C'est peut-être en dessous au final. On l'a fait là? Oui, c'était avec le géant. Ouais. Ouais, je pense qu'on est bon, hein. Enfin, mais. Enfin, on est bon. Je veux dire. Les zones autour sont bonnes. C'est peut-être en dessous. Peut-être dans le sous-sol. Battu le dragon bizarre là. Ouais. Bon, on va faire un petit tour dans le sous-sol. Si je trouve pas ça vite fait, je couperai. Ouais. Bon, après, c'est le problème peut-être du guerrier sans âme. Peut-être que c'est ça. C'est le coup du... Bah, ça fait mal quand on se prend des baffes. Je vois pas pourquoi il y a des ennemis d'un coup. Putain, se faire défoncer par ça, quoi, c'est nul. Pas mal. Pas mal, pas mal. Bon, go sous-sol. Donc, c'est là. Oh, ben. Oh mon dieu, faut descendre comme ça. C'est peut-être la sortie, ça, j'en sais rien. De toute façon, de... peu importe, on fait le tour. Donc, un coffre des normes et, un corbeau. Tout ce qui nous reste ici. Et après, on peut partir. Je suis content d'avoir fait les pierres tombales. Vraiment content. C'est un putain de labyrinthe ici en fait. C'est vrai que c'est un gros labyrinthe quand même, hein. Allez, Atreus. Oh, on dirait que cette substance n'aime pas trop le bruit. Ah, merde alors. Ah, comme d'hab, hein, de revenir dans des zones qu'on a déjà fait plusieurs fois. C'est un peu emmerdant. Ça a l'air épais.
Attention à droite. Oui, bah. On a un archer, il paraît. Ouais, voilà. Ouais. Il paraîtrait qu'on a un archer dans l'équipe. Le vol d'âme est sympa aussi. Hein. Le vol d'âme est sympathique. Bon, c'est pas énorme, honnêtement. C'est pas vraiment énorme. Mais bon. J'ai envie de dire, tout soin est bon à prendre. Hein. Donc bon. Puis avec notre armure, du coup, ça marche bien. C'est ça qui est cool. C'est qu'on a beaucoup, quand même, on a pas mal de pierres qui tombent. Ah! Bizarre, on a à refaire ça. Ou alors c'est quelque chose que j'ai pas fait. Alors, on va peut-être trouver le. Attention. Ah, on a peut-être trouvé. L'endroit. Non, là, non. Ok, déjà ça. Ça a cassé. Ah ah, trouvé. Parfait. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Ah non, c'est pas le même. Merde. Coffre légendaire. C'est pas la même zone. Oh. Donc il y a toujours un corbeau et un coffre. Non, non, c'est pas la même zone en fait, en bas et en haut. Bon, vous savez quoi? On va couper. Et on va chercher. On va chercher ce qui nous manque. Ah, c'est emmerdant. Ah, tout de suite. Ah, on a trouvé. Mais on n'est pas allé là? Attends, là c'est où? Là c'est la bibliothèque. Et apparemment j'ai fait le tour sans voir ça. Je crois qu'on a trouvé le dernier secret. Ouais, il y a le coffre là. Ouais, ok, il y a tout. Ah, c'était bien une zone. Je pensais bien que quand il y a un coffre et un corbeau là. Ce sont des tombes d'êtres blancs. Il y en a tellement. La vie des leurs fut le prix de leur secret. C'est sévère. C'est leur méthode. Mais peut-être qu'avec le journal du consul, Big V leur en enseignera d'autres. Mettez pas Atreus, hein, surtout.
voir ces corbeaux à Niflheim. Oh la vache, quoi. Donc, bref. Ouais, quand il manque, genre, un coffre et un corbeau ou un truc comme ça, c'est souvent des zones qu'on n'a pas vues. Donc, ouais. Donc, ça, c'est des elfes blancs. Alors, ouh, on va devoir faire un... Ouh, un beau... Attends. Là, il faudrait que ça tape là. Wow! J'avais pas vu qu'il y en avait un troisième. Bon, bah voilà. C'est cool. Alors, on va devoir faire du feu. Ah, attends. Là, il y a quoi? Ouais, on est trop loin, en fait, pour faire notre propre feu. On va attendre que ça recharge. Bien. C'est marrant, ça. Sympa, ce système. Troisième, il est où? Attends, il y a un feu là, il y a peut-être le troisième qui est pas loin. Non. Non. Là-bas? Non. On peut pas regarder grand chose en fait ici. Ça. Je peux même pas vraiment me déplacer en fait. Bah, vu qu'on peut pas se déplacer, le machin il doit pas être loin. Hein. Parce que là la zone elle est très petite. Hein. Ils sont pas au-dessus. Je vois rien du tout. Ah, ça m'énerve de pas trouver les trucs. Ah! Ok. Ah, oh, ça va, il reste ouvert. Alors, enfin non, pas vraiment. Allez! Oh putain, ça a pas marché. Merde. Ok, on va recommencer ça. Yeah. Bébé. Très bien. Très bien. Dis-moi qu'on est 97%. Ah oui, on n'est pas full parce que voilà, on a un truc non découvert ici. Zéro idée de ce que c'est. Et je crois que c'est le seul. Non, il y a là aussi. Et pourtant, c'est pas les brèches parce qu'il y a brèche de L. Donc ils le mettent. C'est pas les tombes parce qu'ils le mettent. C'est pas. Bah, c'est pas quelque chose qu'on connaît.
C'est vraiment pas quelque chose qu'on connaît. Intéressant. Peut-être avoir encore un autre événement. Bon, bah on a fini. On a fini cet endroit. Bah, c'était, pour moi, ça a duré extrêmement longtemps. Parce que, hein, comme d'habitude, hein, 4 heures sur un des trucs. Mais alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? L'arbre corbeau, je crois qu'on en a pas assez. Pour avoir d'autres trucs. Muspelheim, les machins ils étaient 8, 9, donc non. Le lac des 9. Le lac des 9, pareil, on a fini. On a tout fini. Ce qui reste, c'est des choses non découvertes. Là, il y a Pierre Tombal. Très content de moi. Ah! Ah, on peut aller voir ça vite fait. Je voulais arrêter là, mais enfin, si c'est juste un truc à vérifier, autant y aller. Si c'est simplement une chose, on va voir. Il y a l'armure des géants, là. Enfin, des géants de pierre, là, qui serait pas mal aussi. Peut-être contre les boss, là, ça a énormément de défense. Et on récupère de la vie si on prend trop cher. Je sais pas. Après, si on utilise ça, vu que c'est énormément de défense, il va falloir... s'équiper avec des objets de l'amulette, là. En fonction de la défense, ça va aider. Donc du coup, Midgar... Donc c'était là le truc, donc ouais, Midgar. Retour à Midgard ? Il pourrait y avoir des corbeaux à chasser. Allons-y. Ouais, on a un lieu spécial, je sais pas ce que c'est. Donc on va aller voir ça. Elle est vraiment classe cette armure. Ça m'embête, notre vie et notre âge, elle a un peu baissé du coup. Mais bon. Si ça nous permet d'être plus puissants, au final, c'est pas si mal. Alors, fais voir. Est-ce qu'on peut marquer ? Allons voir ça. On était déjà passé par là, non? Qu'est-ce que ça peut bien être? Oui, c'était pour aller aux oracles. Qu'est-ce qu'il y a maintenant, de nouveau? Oh, ok, c'est un truc gros, j'imagine. Ah! Oh là, regarde! Une autre brèche de royaume de Garm. Ok. Bon, bah, en fait, elle s'affiche. Oh, mais quel con! On y est presque! Merde, je me suis retourné, mais qui est débile! Laisse ça.
y va. Là, on a fait la moitié. Allons trouver les autres, mes frères. Atreus, suis-moi. Je vais enlever ce demi-tour. Je l'utilise jamais déjà de 1 et il est dangereux pour moi. J'ai fait même exprès de le mettre sur le au lieu de le faire par accident quand je veux genre enlever ma lance ou prendre genre faire ça en fait. Je me protège et je fais le bas pour pouvoir prendre la lance ou alors me mettre à main nue. Et du coup je le faisais par erreur donc je l'ai désactivé. Enfin je l'ai mis sur d'autres touches. Donc si vous le mettez sur d'autres touches, vous pouvez faire ça. Il s'enlève le bouclier automatiquement, c'est pas moi qui le fait, mais voilà. Si vous restez appuyé, vous pouvez faire ça. Donc ça me va. Par contre, ça fait... c'est quand même dangereux, du coup, parce que vous pouvez pas choisir vos touches. Donc si on met sur non, par contre, ça le désactive complètement. Je peux plus le faire avec le pad et tout ça. Donc bon. Mais au moins, j'ai pas le problème de la peur de le faire. Bon, bah j'ai rien dit en fait. Les brèches s'affichent pas automatiquement. C'est juste des lieux non découverts en fait. Mais bon. Pas non, c'est pas des. Non, je dis des bêtises. C'est pas des lieux non découverts. C'est des points d'interrogation. Mais là, il y en a pas. Là, il y a des lieux non découverts. Donc là, on sait pas. Bon, en tout cas, c'était facile. Bon, on va s'arrêter là. Je parle, mais on va s'arrêter là. Et on va aller au nain, on va regarder ce qu'on peut augmenter. Et j'ai bien peur qu'on... Enfin, ça fait un petit moment qu'on fait du secondaire, mais je crois qu'on va devoir se lancer dans l'histoire principale maintenant. Parce que les royaumes auxquels on a accès, bah, on a tout fait. Bonjour, messieurs. Content de te voir. 3 sur 5. Ça marche. Là, on pourrait augmenter ça. C'est embêtant que ça augmente pas la vitalité, ces trucs, putain. Celle qui augmente la vitalité, ça serait ça. Faire ça. Ah, c'est peut-être ma plus belle pièce du jour. C'est très bien. Aussi, très bien. On va attendre pour elle pour la mettre en niveau 8. Quelque chose en particulier ? Les armes, elles sont bonnes. La lance, elle est bonne. Ça donne beaucoup de défense. C'est quoi quand on permet de charger les attaques réussies à la hache, restaure la santé. Ah oui, non, mais c'est dangereux, ça. Déjà que j'ai mon armure, si on rajoute ça, c'est bon. Non, on est bien. Braise brûlante, on a une sur 3. Ça, c'est bien ça. Faudra qu'on monte le bouclier au maximum. J'ai peur qu'avec le rond d'absorption, on soit bloqué pendant un moment. Je pense que pour avoir tout ce que tu voudras. Les cendres, il faut aller à Muspelheim, là où je sais plus trop. Ouais, c'est Muspelheim avec... ça. Bon. Et ben voilà. On va s'arrêter là. Elfheim, c'est bon. Il y a juste des trucs non découverts. On verra ça plus tard. Midgard, c'est pareil. Il y a des trucs non découverts. Ici, je crois qu'on avait quasiment tout fait avec Freya. Coffre légendaire 2. Ok, il y a un truc là. Non découvert. Corbeau d'Odin 1 ici. Il y a une tombe. Je crois qu'après on est bon.
Ouais. Bah, la prochaine fois, on va aller ici. Alors, on va aller à Vanaheim. Alors, le problème avec Vanaheim, c'est qu'on a une histoire avec Freya. Donc, est-ce que ça va directement nous lancer sur l'histoire du jeu? Je sais pas. Si jamais ça nous lance pas directement, on essaiera de faire le secondaire. Le coffre légendaire 2, je me demande si c'est pas genre une zone secondaire en fait. Parce que ça me paraît gros quand même que j'ai loupé deux coffres légendaires en fait. Là c'est pareil, là c'est encore une zone qu'on connaît pas. Ce qu'on peut faire à la limite, ça serait le corbeau d'Odin, parce que cette zone on la connaît. On y allait apparemment. Corbeau d'Odin et la pierre tombale. Mais après le reste, je pense que c'est lié à l'histoire. Ouais, on fera ça la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ce sera un cauchemar pour éditer tout ça. Mais on a fait des super gros combats et récupéré des bonnes armures et tout ça. Je suis content. Je suis assez content de notre puissance. À la prochaine, ciao!